contact à Washington dit qu'on n'a pas affaire à un élève, mais qu'on a affaire au professeur. Quand l'armée monte une opération qui ne doit pas échouer, c'est à lui qu'ils font appel pour entraîner les troupes, d'accord? C'est le genre de type qui boirait un bidon d'essence pour pouvoir pisser sur ton feu de camp. Ce mec-là, tu le largues au pôle Nord, sur la banquise avec un slip de bain pour tout vêtement, sans une brosse à dents, et demain après-midi, tu le vois débarquer au bord de ta piscine avec un sourire jusqu'aux oreilles et les poches bourrées de pesos. Ce type-là est un professionnel. Ah putain, salut ma gueule, je suis à la bourre comme d'hab, tout le monde l'a déjà fait, c'est à notre tour maintenant, c'est grave la dèche, c'est le top 2017, eh oui! Et joyeux Noël, bonne année ma gueule, Johnny est mort! Tu aurais pu vivre encore un peu, Johnny. Et nous, on va se marrer, on va tenter de vous divertir avec le top 15 des films 2017. C'était le meilleur film de l'année, selon nous, la critique sauvage, bim bim bim! Alors évidemment, il y aura des films dont on a déjà parlé ici, et on les passera rapido pour mieux évoquer ceux qu'on appelle tant de chroniqués cette année. Alors je les vois d'ici déjà, les deux pauvres commentaires qu'on a. Et je les vois déjà d'ici, les deux pauvres mecs qui commentent sur nos pauvres vidéos de merde. Ouais, t'as pas parlé de celui-là et tout ça, ma vie, parce que j'ai pas le temps. Et y en a qui trouveront injuste de pas voir certains films, n'est-ce pas, une The Panda ou Durandal? On y va, c'est parti ma couille, on commence avec le numéro 15, c'était un crève-cœur, on voulait mettre Carbone d'Olivier Marshall, mais on s'est dit que non, ça ne nécessitait pas une présence dans le top non plus, c'est vrai, on en a parlé, mais il y avait mieux, il y avait le serpent une coupure, dont on n'a pas parlé, lui, et c'est un film d'Eric Vallette. Alors c'est l'histoire d'un tueur qui bute ses patrons en gros, et se cache dans une ferme familiale en prenant en otage le couple et l'enfant. Alors qu'en parallèle, un psychopathe asiatique le cherche, et ça va finir en duel. Évidemment, on pense au western, non pas à la façon dont on laissait bronzer les cadavres dont on parlera dans ce top, mais plutôt à la version assez soft, je dois dire, qui ne part pas dans des envolées lyriques et oniriques, mais qui plutôt se plaît à aller dans l'efficacité et la noirceur la plus pure. Alors évidemment, c'est un reproche qu'on peut faire au film parce que parfois ça se prend un peu trop au sérieux, et ça a tendance à aller du côté de la série millésimée TF1 à la sauce Alice Nevers ou autre branlade à la con. Mais ça reste toujours à la lisière, justement, car Eric Vallette rattrape in extremis son propos pour mieux nous faire bander comme à chaque fois. Que c'est hardcore, ça y va pas par quatre chemins. Et si ça doit être violent, eh ben ça sera violent, ma bonne dame. Certes, c'est un peu un défaut du film qui ne va pas dans la finesse la plus pure, mais meilleur que Carbone d'Olivier Marshall, parce que justement, il y a quand même un aspect cinématographique plus important chez Vallette, toujours, que ce soit par la mise en valeur de la BO, des sondes, justement du silence qui est très attaché au western, et toutes ces choses-là, un vrai casting à la fois attachant de la vie de tous les jours, et puis parfois avec des vraies gueules burinées, et on s'éclate à voir ça, très honnêtement. Il y a un vrai suspense haletant, c'est simple, et voilà, malgré les petites réserves, c'est un film à voir. Eric Vallette, auteur des excellents Maléfiques en 2003 et Une affaire d'État en 2009, qu'il faut absolument regarder. C'est des tueries comme à chaque fois. Le serpent mille coupures est un peu moins bien, mais c'est un plaisir de revoir Eric Vallette à la réalisation, parce que c'est un mec qui prend le cinéma au sérieux. Voilà, 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 voilà. En 14e position, Coexister de Fabrice Éboué, après deux très bons Casse-Départ en 2011 et Le Crocodile du Botswana en 2014, il revient avec Coexister, sans doute son meilleur film, alors peut-être le moins bien réalisé, un peu trop simple. Il s'éclatait plus avec Lionel Stechetti, qui maintenant est réalisé à Daube, Cendrillon et prochainement à La 2. Au-delà de ça, c'est sans doute la meilleure comédie française de l'année, parce qu'on a beaucoup rapproché Coexister de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu de Philippe de Chauvron, sorti en 2014. Ça n'a strictement rien à voir Madame Cressel, rien à voir Monsieur Popo. C'est fin, c'est juste, on dirait mille une de Charlie Hebdo réunis en un seul film, où les dialogues pètent à chaque fois, que le trio fonctionne à merveille, que ça soit de ton Kédek, Jonathan Cohen ou Ramsey, ils sont tous les trois excellents, ils se complètent, il n'y en a aucun qui vole la vedette à l'autre. C'est intelligent parce que justement ça met en valeur les contradictions de la religion, ça essaie pas de brosser dans le sens du poil du genre oh machin, le racisme n'existe pas, on s'en bat les couilles, c'est bien de vivre. Non, 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 jusqu'au bout, ils ont des contradictions ensemble, ils se foutent sur la gueule et rien n'est réglé finalement. C'est pas un film qui dit non, voilà, c'est comme ça que ça doit être et vous fermez vos gueules. C'est une porte ouverte sur plein de choses, c'est très intelligent, c'est très rythmé. On regrette juste que ça se permette pas plus de liberté, que ça n'aille pas encore plus loin, parce qu'à la fin, faut quand même, voilà, pour que ça rentre dans les cases de la télévision et des chaînes de télévision qui coproduisent le film,
qu'il y ait une fin heureuse, etc. C'est ce qu'on regrettera juste, et que la réalisation soit pas aussi dingue que le propos. Mais on a choisi de mettre Coexister dans le top parce qu'on considérait que c'était le plus abouti par rapport au Sens de la fête et à Problemos, qui étaient deux bonnes comédies aussi, mais Coexister à un niveau au-dessus, c'est indéniable. En 13ème position, Message from the King. Message from the King. 5ème long métrage de Fabrice Duwels, le réalisateur belge qu'on suit depuis ses débuts avec les excellents Calvaire, Vignane et Alléluia. Et le très décevant Col 45, de toute façon, c'était pas lui qui l'avait fini, donc on s'en branle. Dédicace à Joe Star. Oh, 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 ma gueule! Message from the King. Fabrice Duwels, le baisse. Et qui pour la première fois tourne aux États-Unis avec en tête d'affiche Chadwick Boseman, star Marvel du futur Black Panther, et Alfred Molina qui jouait Octopus dans Spider-Man 2. Finalement, deux stars de l'univers Marvel qui reviennent dans un film tourné à l'arrache en à peine un mois, qui raconte l'histoire d'un mec se nommé King qui revient à Los Angeles chercher sa sœur disparue. La photographie fait penser à un vieux film des années 70, c'est léché tout en étant rassé, c'est badass et ça y va à donf, c'est tourné en caméra à l'épaule, caméra portée complètement éclatante. Alors évidemment, ça ne pète pas plus haut que son cul, tout le monde en a bien conscience. Mais au moins on voit que c'est solidaire, que ça s'éclate, que tout le monde fait tout pour proposer un suspense et une efficacité au spectateur. Et ça, Fabrice Duwels, je vais te dire, c'est dans ses gènes. C'est un mec, il a conscience que c'est moins original que ses films d'avant, que c'est un truc déjà vu, un revenge movie, mais qui va en tirer parti pour justement faire un bel hommage et s'éclater avec tout ça. Tout simplement. Il y a de l'humour, parfois de l'humour noir, des seconds rôles un peu what the fuck, mais une nervosité à chaque fois. Certes, c'est parfois un peu monté avec les pieds et ça se contente du strict minimum. Bon, on ne boudera pas notre plaisir parce qu'il aurait pu largement se faire plus enculer par les ricains du Wells. Et il s'en sort fort bien, mais ça mérite pas une place plus haute dans le top parce qu'on a préféré ses délires dans les Ardennes, genre Calvaire ou Alléluia, ou même Vignane sur le tsunami de 2004 qui est mortel, où on sent qu'il n'est pas bridé par un studio, et là, c'est le même problème que Coexister, quoi. C'est qu'on sent qu'il aurait pu plus s'éclater derrière si ça avait été lui qui avait géré tout de A jusqu'à Z. Donc voilà, mais on salue toujours le travail, et c'est bien mieux que Code 45, qui lui, pour le coup, était également un film de commande, mais puer la daube parce qu'ils ont, ils ont lâché les armes, quoi. C'est Versailles et Théorique, ça les y a, quoi. C'est à des bandades. Allez, on passe direct au 12ème, qui n'est ni plus ni moins La La Land de Damien Chazelle, auteur de l'excellent Whiplash, sorti en 2014 en France, et qui revient avec une comédie musicale récompensée partout, où tout le monde a déjà dit le plus grand bien. Nous, on la fera pour en chanson, parce que voilà, c'est bon, à pas chanter, à pas y qui pleut. Voilà, c'est bon. Voilà, La La Land, c'est deux égos qui se rencontrent, une qui veut devenir actrice, l'autre qui veut devenir un grand pianiste, et qui se foutent sur la gueule, tout ça entouré de numéros splendides. Évidemment, hommage à la comédie musicale. Alors, parfois, c'est quand même un peu trop une démonstration de savoir-faire, on va pas se le cacher. Hein, bon. Mais ça montre le pouvoir écrasant de ces grandes villes américaines qui ne pensent qu'au bling-bling, à ces choses-là, et de ces personnes qui sont absorbées, finalement, par les paillettes, et qui se foutent sur la gueule parce qu'ils ont des égos surdimensionnés, qui savent pas les gérer, et que surtout, ça n'arrive pas à rentrer en ligne de compte dans une relation de couple, et qu'ils n'arrivent pas à faire la part des choses entre ces deux éléments. Et c'est hyper intéressant, La La Land, là-dessus, il n'y a rien à dire. Maintenant, c'est vrai que c'est pas non plus le genre de film, moi, qui me transporte. Je trouve ça bien, parce que c'est bien fait, mais parfois c'est quand même un peu cuculapraline, un peu facile, un peu de l'esbrouf visuel, genre, oh yeah, je vais te faire des trucs qui vont t'allumer la tête, te retourner le cerveau, et direction la lune. Il y avait déjà un sein dans Whiplash, mais Whiplash préférait beaucoup plus le développement de psychologie des personnages, l'affrontement que je trouvais beaucoup plus intéressant. Là, c'est un peu plus fade. Emma Stone et Ryan Gosling sont excellents, mais voilà, ils jouent ce qu'ils connaissent. Ah, c'est le genre de film encensé partout, dans tous les festivals, dans toutes les cérémonies, parce que justement, voilà, c'est ouais, regardez, comme était The Artist, c'est ouais, il revient avec un film muet, bah La La Land, c'est regardez, il revient avec une comédie musicale. C'est un des genres très peu représentés de nos jours, et du coup, on le porte au pinacle. Ah, c'est parce que aussi, ça parle d'Hollywood, alors les mecs, ça pignole, t'as vu, ils parlent d'Hollywood, et le mec, ils ont les deux, là, c'est super bien. Donc, pas encore dans le top 10, on y arrive progressivement, mais il n'y a pas encore le petit Damien Chazelle, il y a eu mieux. Ensuite, 11ème position, laissez bronzer les cadavres, on avait déjà parlé ici. C'est pareil, c'est pas encore dans le top 10, mais c'est à la lisière, parce que là, pour le coup, ça baisse tous les films dont on vient de parler, là. C'est la lisière, ils en ont
Rien à branler, mais ça fait un triple loot, ça te fera atterrir sur la gueule. Pff, allez hop. C'est un cinéma de gueule avec des acteurs qui s'éclatent. Alors, si vous voulez voir la critique, elle est juste ici. On n'en dira pas plus, c'est un film à part, complètement barge, qui s'éclate visuellement surtout. Putain, ça fait un bien fou de faire ça parce que c'est des mecs qui se disent « Vas-y, on s'en fout de la construction narrative, on s'en fout de ce qu'attend le public, on fait tout l'inverse, on revient en arrière, on fait des tableaux de ouf, des silences, on joue avec les bruits, ce qui se passe, la tension. » Et puis, tout ce qu'a fait les western spaghetti de Sergio Leone et d'autres, ça, ils savent s'en servir tout en faisant quelque chose d'unique. Et c'est ça qu'on adore, putain, dans Laissez bronzer les cadavres. Yeah, yeah, yeah. C'est une petite équipe qui se donne du mal et faut soutenir ce genre de film. Il n'est qu'à la 11ème place car on nommait quelques réserves comme des gros plans abusifs, hommage au duel des westerns, mais qui reviennent trop souvent, des longueurs et également des tics un peu autoristes, il faut s'avouer. Mais ça reste un vrai plaisir de spectateur qui ne se prend pas la tête. Putain, ça fait du bien. Ça fait un bien fou. Et on arrive enfin à la 10ème place, en la personne de Trainspotting 2 de Danny Boyle, le grand retour du petit Boyle. Oui, on en a parlé ici, juste ici, là, viens regarder, c'est Trainspotting 2 la critique. C'est bon, on a fait le tour de la question, c'est un très bon film, une excellente suite. Tac, 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 ici pour la critique, la gueule. Et ça nous permet de passer directement au numéro 9, qui n'était pas sorti en salle, mais directement en VOD et DVD. C'est Hokja de Bong Joon-ho, l'excellent réalisateur des géniaux The Host ou Le Transperce-Neige, Snowpiercer en anglais, ou encore Mother et Memories of Murder, que je n'ai pas vu, mais qui sont apparemment énormes. Énorme ! C'est le mot pour parler du cochon qui s'appelle Hokja, adopté par une famille de Coréens, et qui va être récupéré par une multinationale qui va en faire du fric. Au-delà d'être une fable écolo et sensible, est aussi un pur film de genre où des cascades en bagnole virevoltantes se complètent avec des scènes émouvantes où on a de la tendresse pour le gros cochon. Je veux dire, Bong Joon-ho, c'est un putain de bâtard parce qu'il arrive à te faire chialer avec un cochon. Ça m'était pas arrivé depuis Babe. Et justement, il est aussi fort que George Miller parce qu'il arrive à lier le vrai plaisir de cinéma de genre où on en prend plein la gueule et en même temps des émotions fortes, palpable et jamais fabriqué. C'est pas tire l'arme au Hokja. Il y a quelques petites maladresses, notamment un propos un petit peu facile, mais on s'en branle parce qu'on a eu ce qu'on voulait, un casting dantesque, du rythme et un vrai amour de son scénario. C'est un mec qui veut nous faire ressentir des vraies choses à tous les niveaux. C'est pas des scènes d'action bâclées ou des scènes émouvantes déjà vues. Il essaye d'innover, de faire quelque chose de neuf, tout en étant vrai et sincère. Putain! Fait du bien ça! Et on passe Nico Presto au numéro 8, qui n'est autre que L'autre côté de l'espoir d'Aki Korismaki, dont on en a déjà parlé. Et pour l'avance, c'est ici la critique. On n'en dira pas plus, c'est excellent. Tire-moi les couilles avec les doigts. Le numéro 7 maintenant, c'est Baby Driver, et on va pas se balucher de pinceau. On en a déjà parlé, mon poteau. C'est ici, pour la garder, c'est ici. Numéro 6, au revoir là-haut, d'Albert Dupontel, ma gueule! Je me suis trituré le cerveau pour savoir où le placer, mais c'est indéniable, au revoir là-haut est un des meilleurs films français de cette année, putain! Parce que même s'il fait du cinéma populaire, le petit Dupontel, il le fait très bien! Ça y est, maintenant il est à fond là-dedans, du cinéma plus grand public, plus ouvert sur les autres, et pour autant, il renie pas ce qu'il a été, parce que ça reste toujours du cinéma brut de décoffrage. Pum par moment, il fait des cadrages qui n'appartiennent qu'à lui. Les décors, les costumes sont hyper mis en valeur. Tout ça pour justement, comme dans Laissez bronzer les cadavres, opposer les riches aux pauvres pour nous faire une fable anticapitaliste hyper bornante, comme l'était le bouquin de Pierre Lemaitre. Alors évidemment, il a des facilités narratives, comme une voix off omniprésente qui gave un peu un brin, qui nous gonfle un peu les rubiliales. Ce récit qui commence au Maroc, qui finit au Maroc, qui n'est pas dans le bouquin, et qui franchement n'est absolument pas nécessaire. Et on s'en fout un peu. On dirait du jeûner, quoi. Et c'est dommage parce que tout le reste, c'est pas du jeûner. C'est beaucoup mieux qu'un long dimanche de fiançailles, par exemple. On peut pas lui reprocher. Il va au plus simple pour raconter l'histoire et on est scotché à son siège. On a envie de savoir ce qui va se passer. Tous les personnages sont attachants. Laurent Lafitte, qui est la pire des enflures, bah à un moment il se rend compte que bah il couche avec la femme de son second. Il s'excuse comme un gosse. Oh pardon, je suis désolé.
Parce qu'il veut pas en faire des purs salauds. C'est hyper intelligent, c'est du cinéma qui t'en fout plein la gueule et qui, contrairement à Damien Chazelle, n'est pas un passage en force. Parce que ça s'accorde toujours à ce qu'il veut raconter. Je veux dire, la scène des tranchées, si elle avait pas été comme ça, on s'en serait battu les couilles qu'on aurait dit « Ouais, bon, ça explose, ouais, super, dommage. » Là, on est accroché. Il y a qu'à voir rien que le plan séquence du début qui suit un chien qui apporte un message. C'est intelligent parce que ça raconte déjà l'histoire pendant le générique. Et ça permet d'avoir une image continue, c'est pas de l'esbrouve visuel. Parfois il revient des champs contre champs basiques parce que le récit l'impose. Donc il est pas là pour dire je suis un pro de la caméra. Il tente des choses et ça marche parce qu'il a compris l'essence de ce qu'il doit raconter. Le casting est impeccable, Laurent Lafitte n'a jamais été aussi bon, il s'arrête ce truc, y'a rien à redire. Nahuel Pérez Bizcarat est un excellent comédien. Et Albert Dupontel, bon bah voilà, vole parce que... Il est attachant, touchant, parfois il refait du Dupontel, mais pour mieux rebondir et proposer quelque chose de plus inédit chez lui. C'est pareil dans sa réalisation, quoi. Ça reste toujours très nerveux, hyper rythmé, on s'ennuie pas une seule seconde. Parfois ça prend son temps, qui ne permet pas d'accéder aux plus hautes places de notre classement. C'est que les rôles féminins sont sacrifiés, quoi. Je veux dire, Émilie Dequesne, ils auraient pu plus pousser, je trouve... la réflexion sur la sœur qui a perdu son frère, etc. Et Mélanie Thierry aussi, la jeune amoureuse d'un homme plus vieux qui ne sait pas quoi faire, je trouve qu'ils auraient pu plus pousser. À un moment, on la voit pleurer, dire adieu à Dupontel, et puis après, on la revoit au Maroc, sans lien entre les deux scènes. C'est un peu étrange, quoi, et du coup, on a trop l'impression que son rôle est fonction, et qu'elle aussi. Et ça n'empêche qu'en voir là-haut, c'est du putain de divertissement qui éclate la rétine et qui reste imprégné dans la tête. Et je dois dire qu'à la fin, moi, j'ai été hyper touché par cette relation père-fils qui est juste super belle et tendre. Et par une fin à laquelle on ne s'attend pas spécialement. C'est du cinéma populaire qui pète la gueule, quoi, tout simplement. Donc, courez voir, au revoir là-haut. Au revoir là-haut. Et on passe au numéro 5, Psychonautas de Pedro Ribeiro et Alberto Vázquez, premier dessin animé du top et d'ailleurs premier film d'animation dont on parle ici, sorti en mai dans l'indifférence générale et qui pourtant est une petite bombe sur la mort, l'enfance, hyper onirique et à la fois blindé d'humour noir, perdu au moins de 12 ans au moment de sa sortie parce que ce n'est pas un film pour les enfants, et c'est pas pour rien, parce que c'est tout ce que les enfants ne veulent pas voir, nos chères petites têtes blondes, qui sont magnifiques. Pleine d'innocence, de beauté, de joie, de bonheur. Eh bien non, justement, là, il nous parle de ce qui peut se passer de pire avec des enfants. C'est une métaphore par les cauchemars d'enfance, du travail illégal des enfants, qui prend à la fois au cœur et qui à la fois se moque et crache sur le système ouvertement. C'est hyper intelligent, ça dure 1h15, donc c'est hyper rapide, on a l'impression de voir un moyen métrage, ça va à l'essentiel. Ça nous bombarde la gueule de choses qui nous renvoient à notre égoïsme et à tout ce qui se passe de pire dans le monde. À la fois une noirceur et une habileté humoristique qui n'appartient qu'aux Espagnols. Je dois dire que Psychonautas a été une baffe. Franchement, il faut absolument rattraper ce film. Je crois qu'il n'est pas encore sorti en DVD, mais putain, dès qu'il sort en DVD, VOD, faut courir l'acheter ou le louer parce que c'est une bombe pure, quoi. Et d'ailleurs, on continue notre top avec la 4ème place. C'est un ex-aequo. Grave de Julia Ducournau et Petit Paysan de Hubert Charluel. Alors, pour le premier, on en a déjà parlé. Si, c'est que ça se passe, c'était la 2ème critique sauvage, ma gueule, et on va pas reparler dessus. Mais par contre, on n'avait pas parlé de Petit Paysan sorti fin août, qui a eu un putain de succès mérité, plus de 500 000 entrées pour un budget de 3 millions. C'est incroyable comme film. C'est vraiment le genre de film qui, d'habitude, me pompe le d'armes et fois mille. Tout le monde me dit que c'est génial et tout, machin. Encensé par la critique, réaliste au possible. C'est un jeune agriculteur qui a décidé de faire du cinéma et de raconter son histoire, justement, de Swan Arlo qui interprète Pierre, qui a 35 ans et qui a repris la ferme de ses parents pour élever des vaches et qui se rend compte que celles-ci sont atteintes d'un virus qui traîne et qui va tout faire pour le cacher. Et je dois dire que, si tous les films français, réalistes, sociaux étaient comme ça, ça serait énormissime. Le mec te fait une putain de mise en scène. T'es accroché à ton siège, c'est tendu, nerveux, t'as envie de savoir ce qui lui arrive. La musique arrive au bon moment pour justement rajouter à cette tension. Parfois c'est filmé comme un polar bovidé. C'est un polar agricole le truc. Swan Arlo est monstrueux, j'ai jamais eu l'occasion de le dire ici, mais c'est un acteur de génie, Swan Arlo. Il a un charisme de dingue, il peut tout jouer. Moi je l'ai vu dans des rôles hyper différents les uns des autres. Et c'est hallucinant comme il se fout dedans à donf.
Sarah Giraudeau, que j'avais jamais vu aussi convaincante, qui pour une fois abandonne un putain de petit peu de merde et un peu ses rôles secondaires un petit peu pourris. Là, elle a une vraie force, un vrai duo. Elle aide sa sœur vétérinaire qui essaye aussi de le sortir de la merde. C'est drôle par moments, c'est hyper nerveux. On s'attache à tous les personnages qui est autour de lui parce que justement, il est pote avec plein d'autres agriculteurs et un patron de restaurant. Et ils sont tous hyper sympas avec une putain de bonhomie. Puis qui en même temps renvoie au personnage principal ses défauts et ses contradictions. C'est une claque dans la gueule. Il y a aucun défaut à dire. Déjà, voilà, parce qu'on est dans le top 5 et le top 5 c'est le haut du panier, le petit doigt dans le cul à poil dans la caravane. Mais alors là, autant grave, j'avais quelques mini réserves, autant là franchement, j'ai rien à dire quoi. C'est du super bon boulot. Mais y'a mieux, y'a mieux, y'a mieux, le Caire Confidentiel, c'est le troisième, de Tariq Saleh. Je peux te dire que le film il est bien poivré, qui comme son nom l'indique se passe au Caire, donc en Égypte. Et c'est l'histoire d'un inspecteur qui va enquêter sur la mort d'une stripteaseuse pendant les réélections présidentielles en Égypte. Alors, ils n'ont pas eu les autorisations pour tourner en Égypte, c'est un deuxième film. Et putain, tout comme grave, mais Petit Paysan, tu te dis, waouh, mais les mecs, soit leur premier film, soit leur second film, mais quelle maîtrise, mais c'est indéniable, quoi. Je veux dire, c'est un truc de ouf. Tu sors de là, tu te dis, putain de bordel de merde, mais mince quoi, j'étais parti pour détester parce que je pensais que ça allait se la pignoler, et en fait non, c'est pareil quoi, c'est tendu, c'est nerveux. On peut pas raconter le Caire Confidentiel. D'ailleurs, le fait qu'ils aient pas eu les autorisations pour tourner en Égypte, à elle seule, c'est une info qui résume tout le film quoi. C'est-à-dire que c'est un film qui va tellement dans le fond du sujet, comme le font peu de gens. Petit Paysan d'ailleurs, c'est la même chose dans le monde agricole. C'est que c'est des films qui vont au bout de leur sujet, et quitte à avoir des soucis, bah ils y vont à fond, quoi. Parce que les contradictions et les défauts du système politique égyptien sont sans cesse remis en cause dans ce film, et au-delà de ça, il y a en parallèle une putain d'intrigue policière qui arrive à être reliée parfaitement à l'intrigue politique. Je veux dire, qu'est-ce que tu veux demander de plus, quoi? Je veux dire, tu te dis, ouais, il y a quelqu'un qui sait faire ça avec les confidentials et toutes ces conneries-là. Et ben non, putain. Il y a un mec qui sort de nulle part, qui coproduit un film avec l'Allemagne, la Suède et le Danemark, qui se passe soi-disant en Égypte, mais pas en Égypte parce qu'ils n'ont pas eu les autorisations, avec des acteurs musulmans et tout. C'est un melting pot total. Et putain, c'est génial, quoi. Le mec tourne avec tout le monde et il vous emmerde, bande de politiques de merde, là. Pro de, hein, misogyne, raciste, on aime personne et on fout des coups de latte à tout le monde parce que, ouais, on est dans une dictature mais on n'ose pas le dire. Et bah putain, Tariq Saleh, lui, il ose, il a des coronets en béton armé. Tous les acteurs sont monstrueux, ont un charisme de dingue. L'intrigue est prenante, mais c'est un truc de fou quand ça termine, tu te dis, oh non putain, ça a déjà terminé, ça pourrait durer 4h30, on s'en bat les couilles. C'est puissant, putain, c'est du polar puissant et en même temps très sobre. Je veux dire, il n'y a pas de la musique sans cesse, il n'y a pas des courses-poursuites de dingue, non, il n'y a pas besoin de tout ça, c'est juste la force de frappe d'un scénario de ouf, quoi, c'est tout. Et d'acteurs de dingue, voilà, quoi, c'est tout, il n'y a rien à dire, quoi, à partir de ce moment-là, t'as rien à dire, tu fermes ta gueule. Mais y'a mieux! Putain, y'a mieux! Puisqu'on arrive en numéro 2! Qui est quelques minutes après minuit! Sorti le 4 janvier 2017, donc au tout début de l'année, de Alejandro Bayona! Sorti, alors là, c'est même plus de l'indifférence, c'est carrément un crachat dans la gueule qu'on lui a fait à ce film. On attend les Blade Runner, les Star Wars, comme un nouveau président, hein! Alors que ça risque des films impersonnels et déjà vus, dont on se bat le coquillère total. Et là, putain, y'a un mec, sous influence Guillermo del Toro, toujours, qui met en scène un gosse, sa mère est malade, et lui, et ben ça le touche. Et du coup, il a des visions, il a des cauchemars. Et putain, les cauchemars, mais oh, putain! Et ça te raconte un gosse qui essaye de faire le deuil de sa mère à travers trois contes, trois histoires, qui sont contées par un espèce d'arbre vivant qui n'existe que dans ses visions. Et voilà, dans Psychonautas, on l'évoquait déjà. Mais Guillermo del Toro, putain, c'est un mec qui a influencé des tas de gens. C'est un mec qui a une influence positive. Il avait produit le premier film de Bayona qui était L'Orphelinat, sorti en 2008 en France. Et là, c'est pareil. Ça remet en scène, en l'occurrence, un enfant, comme Psychonautas, pour nous renvoyer à la gueule tout ce qui nous touche, tout ce qui nous fait un mal de chien dans la vie. C'est pas un film drôle, hein, quelques minutes après minuit. C'est ni un film d'horreur, ni un film sombre. C'est juste un film beau. Un film beau comme la vie, bordel de merde. C'est un mec qui te parle avec le cœur. Une force, bordel, qui a rien à dire, je te présente une
de chialer, putain. J'ai envie de chialer, j'ai les larmes, là. Rien que d'en reparler. Qu'est-ce que vous allez voir les derniers films de Denis Villeneuve? C'est un mec qui fait de l'EHPAD, de l'esbrouf visuel. Là, Bayona, il a des effets spéciaux, putain, mais il s'en sert pour raconter quelque chose. Un gosse qui va perdre sa mère. Il te fait des métaphores d'enculé que je peux même pas raconter, tellement il y a que lui qui peut faire ça, quoi. Et Del Toro, qui ont une imagination débordante. C'est blindé de symboles, mais hyper justifié, t'en comprends même pas le sens tout le temps, tellement c'est d'une richesse absolue. Les mecs ont 15 000 cerveaux, c'est des dingues, putain. Y'a rien à dire, tu ressors de là, t'es en loc, tu sais plus comment tu t'appelles, t'as envie de chialer, de pleurer, de serrer tes potes, ta famille dans les bras, je sais pas. Justement, moi c'est un cri du cœur que je fais aux gens que le cinéma fantastique ou d'horreur rebute. C'est que là, c'est faut y aller, quoi. Allez-y, ça va vous parler, c'est universel, bordel. Je pensais qu'il y avait que James Cameron et certains Amerlocs qui savaient faire ça. Eh ben non, c'est les Espagnols les meilleurs, parce que le cinéma espagnol, c'est le meilleur au monde. Y a rien à dire. Et si t'as quelque chose à dire, sors dans la table. C'était pas ma guerre. Pouh, il était temps. Je flotte dans mon slip tellement j'ai chaud. C'est Coco, dernier film du studio Pixar, qui lui également parle d'enfance et de mort. À croire que voilà, les meilleurs films de l'année, ça parle d'enfance et de mort. Bon. T'es sûr que ça parle pas de Jedi? Yeah. Star Wars. Mais Star Wars, je l'encule, Star Wars, moi. Je le prends, je le sodomise, moi. Dark Vador, je le prends, je le passe, Dark Vador. Comme d'habitude, Pixar nous prend en danseuse par derrière et nous la glisse. Tranquillement, Milou Milou. C'est pareil que quelques minutes après minuit, quoi. J'ai chialé comme un gosse dès les 10 premières minutes. J'étais fébrile, je savais plus comment je m'appelais. J'avais les mains moites, la bouche pâteuse. Et j'avais les yeux tout humides. Mais parce que c'est des mecs qui savent ne pas fabriquer l'émotion. Ça vient, c'est brut, on le sent venir. On le sent que ça vient et tout jusqu'au bout. À la fin, on sait qu'ils vont nous faire une scène touchante et tout ça. Putain, ça marche. Y'a pas d'explication. Dans ces cas-là, y'a pas d'explication. C'est l'alchimie. C'est un gosse qui rêve de devenir musicien, mais sa famille le bride parce que dans la famille, les musiciens ont fait du mal aux femmes de la famille. Et lui, un jour, tellement attiré par la musique, il décide de voler la guitare de son ancêtre. Il est propulsé dans le monde des morts. Il va devoir en sortir et forcément, ça va poser plein de questions autour de la famille, de la mort, de l'existence, de tout ce qui nous fait vivre. C'est encore une fois hyper universel. Tous les personnages sont attachants. L'humour, à la fois slapstick, humour visuel, humour de situation, humour noir par moment. Ils s'en foutent du fait que c'est réservé à des gosses. Ils s'en branlent, ils s'en foutent. Ok, ça reste quand même dans un cocon pour les enfants. C'est pas Psychonautas, faut quand même pas être totalement hardcore. Psychonautas, c'est vraiment un film d'animation pour les adultes. Comme South Park ou Lascar par exemple. Et c'est ça qui est génial chez Pixar, c'est qu'ils décident de construire un scénario universel sans pour autant mettre les gosses de côté. C'est-à-dire que les gens qui vont me dire « Oui, Coco, je vais pas emmener mon enfant le voir parce que ça parle de la mort et tout ça. » Mais au contraire, putain, au contraire, c'est un film qui permet de sensibiliser les gosses à la mort et en même temps, toi, en tant qu'adulte, de te prendre à la gorge et de te dire « Oh putain, oh là là, je suis pas bien, quoi. » Et en plus, Coco, si t'as perdu un proche, voilà, t'es ruiné, quoi. Ce genre de film, il te met KO, c'est Mike Tyson en finale, quoi. Bah, l'animation est d'une fluidité incroyable, c'est hyper riche. Bon, ok, ça pompe un petit peu La Légende de Manolo, qui était aussi produit par Guillermo del Toro. Encore lui, hein, le gros patapouf mexicain. Mais il transcende tout ça, parce que dès le départ, dès l'introduction, ils te font une introduction sur des napperons mexicains animés. Dès le départ, tu dis, ouais, bah ok, t'as ton empreinte, mon gars. T'as ton identité. Peut-être que t'as repris des bribes de scénar à droite à gauche. Oui, ça ressemble à des tas de choses. De toute façon, maintenant, on n'invente plus, c'est fini, ça. Transforme ça, quoi. Si les mecs te prennent, ils te chopent par là, ils te lâchent plus. T'es soufflé, quoi. Tu t'ennuies pas. Et en même temps, ça prend le temps sur plein de choses. Moi, ce que j'ai adoré aussi dans Coco, c'est que je me suis dit, ah, quand même, la musique. Ils nous ont déjà fait le coup avec Vaiana l'année dernière. Je me suis dit, ça y est, il nous faut un truc sur la musique. Ça va être blindé de musique. Et non. Les mecs, ce qui les intéresse, c'est de raconter une histoire et dans cette histoire-là, présenter tout ce qui peut te toucher et tout ce que tu es en tant qu'humain, finalement. Parce que c'est la mort, la trahison, ça te fait des espèces de révélations en plein milieu du film auxquelles tu t'attendais pas. Mais t'es tellement transporté dans le truc que chaque nouvel élément scénaristique, eh ben, il te surprend. T'es là, tu te dis, ah ouais, putain, j'aurais dû y penser. Mais pourquoi j'y ai pas pensé? Bah, t'y as pas pensé parce que tout simplement, ils sont trop forts. Y'a rien à dire, ils sont trop forts. C'est tout. Tu sais pas si ça va te faire pleurer ou pas. T'y vas, tu fonces. Tu peux pas expliquer les sensations que ça te procure. Ça n'en rajoute pas, c'est simple. D'ailleurs, Coco, à la fin, y'a un passage musical qui fera chialer n'importe qui. Hein. Même le dernier des connards, même Donald Trump, il chiale devant Coco, hein, c'est sûr. Alors là, je le mets au défi, cet enculé.
Franchement, je lui arrache son toupet si je chiale pas. Et ça te fait ça, voilà, en mode a cappella, sans rajout de flonflon derrière, de trucs pour t'arracher une larme. Ça le fait avec simplicité, c'est ce qu'on aime ici, c'est ce qu'on défend toujours, putain, c'est ce qu'on défendra toujours. En conclusion, tous les films qu'on a chroniqués aujourd'hui dans Stop, il faut les voir. Même ceux qu'on a simplement cités, qu'on n'a pas pu mettre parce qu'on va pas faire un top 30 non plus, faut pas se foutre de la gueule du monde. Voyez tous ceux qu'on a cités, voyez Carbone, Le Sens de la Fête, même Seven Sisters, Problemos, évidemment, c'est des films dont on n'a pas parlé plus longtemps que ça, mais faut les voir quand même aussi. Et évidemment, le top 15, faut courir voir ces films. Absolument. Parce que voilà, l'année 2017 était riche de tout, et c'est les meilleurs films qu'on a sélectionnés, parce que chaque année, il y a quand même des perles, des trucs qui te foutent à terre. Et je dois dire que surtout ceux du top 5 sont des chefs-d'œuvre absolus qui dépasseront les siècles et les millénaires même. Et j'ai envie de vous dire au revoir de manière sobre, solennelle et belle. Je vous aime les enfants. Allez sur notre chaîne Production Lagrange parce qu'il faut faire de la pub, parce qu'on est des sales petits capitalistes de merde qui connaissent pas les valeurs de la vie. Allez, on se retrouve pour le flop 2017, ma gueule, c'est pas terminé. Des bisous et à très vite. Vive la France et le cinéma. Tudou. Putain, c'est beau la vie.